Shalom, shalom à tous les adorateurs. Shalom à vous qui n'êtes pas catholique, qui êtes tout le temps connecté depuis 2016. Shalom à tous les musulmans qui nous suivent, parce qu'il y en a qui nous suivent. Shalom à tous les évangéliques qui nous suivent. Shalom à tous les pentecôtistes qui nous suivent. Shalom à tous les adorateurs. Parce que nous savons que vous êtes de confessions différentes, mais vous aimez Jésus. Jésus est venu pour que le monde ait la vie et que le monde soit sauvé. Shalom à tous les petits, les tout petits qui sont connectés. Je vous fais plein de bisous. Shalom aussi à toi qui, ce matin, t'es précipité pour te connecter parce que tu attendais ce moment pour dire à Jésus merci d'utiliser ce moment pour me fortifier. Je veux être un modèle. Je veux t'appartenir. Je veux que de par ma présence, les gens sentent que toi, Jésus, tu es vivant. Amen. Je veux témoigner de par ma vie, au cœur de ma famille, dans mon foyer, avec mes enfants, témoigner que tu es Seigneur. Par ma douceur, par ma gentillesse, je veux témoigner par mes actes, mais que mon cœur soit en conformité avec ce que je fais. Que je ne le fasse pas juste par peur, que je ne le fasse pas juste parce que j'attends qu'on m'en sens qu'on dise waouh, ce qu'elle fait, c'est vrai. Or, au fond de moi, je n'ai pas envie de le faire. Je veux appartenir au royaume, mais marcher selon les règles du royaume. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Oh, demandons au Saint-Esprit d'être là, présent. Souffle de Dieu. Ce matin, oh roi, nous te levons ce matin, toi le souffle de Dieu, nous te glorifions ce matin, viens prendre le contrôle sur nos cœurs, viens nous remplir de ta présence. Nous voulons adorer en esprit, en vérité. Oh, nous avons besoin de toi. Oh, nous voulons adorer en esprit, en vérité ce matin. Oh, touche nos cœurs. Touche nos cœurs, que nos cœurs soient saisis par toi, toi qui sondes les cœurs et les reins. Oh, regarde-nous, nous sommes rassemblés, vieillards, jeunes, enfants, nous sommes tous rassemblés pour adorer Jésus. Oh, tu es le souffle de Dieu. Tu es le souffle.
puissance de Dieu. Oh, puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Nous t'élevons, nous t'élevons. Oh. Oh, ah. Souffle de Dieu, oh, oua, rendez-le bon chakaya, baba, 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 rendez-le bon sangaya, baba, oh, oua, yere bon chakaya. Seigneur, que ton esprit se répande sur nous. Regarde la joie que tu nous donnes, Seigneur, en ce matin. Nous sommes tellement heureux. Nous nous sentons bénis. Nous nous sentons dans la joie. Alléluia. Nous voulons te dire que nous sommes sûrs de ta parole. Oui. Ce matin, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. J'aimerais même qu'on danse de joie. Parce que par moments, il faut danser un peu. Yes. Dis au Seigneur, je suis sûr de ta parole. Elle est une lampe sous mes pas. Yes. Une lumière sous mon sentier. Hey. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Est-ce qu'un adorateur peut le dire? Je mets mon espoir dans le Seigneur. Hey. Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Elle est une lampe sous mes pas, une lumière sous mon sentier. Elle me guide chaque jour sur le chemin de vérité. Je la serre dans mon cœur afin d'être près de Dieu. Sa parole m'a restauré, elle m'a redonné la vie. Hey. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Sa parole libère, sa parole guérit, yes. Sa parole transforme, sa parole relève, sa parole restaure, elle redonne la joie, elle redonne la vie. C'est la parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Dis-le avec moi. Je suis sûr de sa parole. Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Alléluia. Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr. Je suis sûr de sa parole. Elle est une lampe sous mes pas, une lumière sous mon sentier. Elle me guide chaque jour sur le chemin de vérité. Je la serre dans mon cœur afin d'être auprès de Dieu. Sa parole m'a restauré, elle m'a redonné la vie. Hey. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr. Je suis sûr de sa parole. Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Hey. Je suis sûr de sa parole. Sa parole guérit, sa parole restaure, sa parole relève, sa parole transforme.
apostle. Sa parole bénie, elle a transformé ma vie. Elle transformera ta vie. C'est la parole du Seigneur. Hey. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Je suis sûr de sa parole. Oh, si tu crois en sa parole, elle pourra te relever, te redonne toute la joie et l'espérance perdue. Accueille-la de tout ton cœur et aussi de toute ton âme. Alors tu verras, tu auras la victoire. Hey! Je mets mon espoir dans le Seigneur. Hey! Je suis sûr de sa parole. Oh, est-ce que quelqu'un peut le dire? Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Je suis sûr de sa parole. Oh, sa parole relève. Sa parole guérit. Sa parole transforme. Sa parole bénit. Sa parole transforme. Elle a transformé mon cœur. Elle a relevé ma vie. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Oh, je mets mon espoir dans le Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Alléluia. Je suis sûr de sa parole. Oh, je suis sûr de sa parole. Pendant ce temps, tu commences à élever le nom du Seigneur. Tu commences à bénir son nom. Dis, je suis sûr. Je suis sûr de sa parole. Oh, je suis sûr de sa parole. Je suis sûr de sa parole. Oh, je suis sûr de ses promesses. Je suis sûr de sa promesse. Tu vas dire, je suis sûr de ses promesses pour moi. Yes, alléluia. Je suis sûr de ses promesses pour moi. Je suis sûr de ses promesses pour moi. Je crois que Dieu, je suis sûr de ses promesses. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Je suis sûr de ses promesses pour moi. Je suis sûr de ses promesses pour moi. Commence à élever son nom, commence à bénir son nom. Je suis sûr de ses promesses. Mon âme te bénit, Seigneur, reconnaissant ce que tu fais. Quand ta bouche dit, Seigneur, tu l'accomplis, et nous le reconnaissons. Seigneur, la parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli celle pour toi que tu as lancée. Et mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme est rassurée. Mon âme est rassurée. Ce que tu as dit, Seigneur, encore. Ce matin, je vais le redire à mon âme. Sois rassurée de ce que le Seigneur t'a dit. Oh. Moi je danse hein, parce que je sais que Dieu est celui qui veille sur sa parole pour qu'elle puisse s'accomplir. Alléluia. Je sais que Dieu est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je sais que Dieu est celui-là même qui est capable de changer les situations, les circonstances de nos vies. Je sais que Dieu est celui-là qui, lorsque nous nous attachons à lui, relâche automatiquement tout ce qui est prévu comme bénédiction pour nous. Alors nous, en ce jour, nous voulons bénir ce Dieu fidèle. Ce Dieu fidèle qui ne change pas. Ce Dieu-là même qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce Dieu-là même qui a créé le ciel, la terre, le monde visible et invisible. Je veux bénir ce Dieu-là même qui dit et la chose advient, qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est fidèle, notre Dieu. Oh. Je suis sûr de ses promesses pour moi. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Alléluia. Je suis sûr de ses promesses pour moi. Elle est une lampe sous mes pas, une lumière sous mon sentier. Elle me guide chaque jour sur le chemin de vérité. Je la serre dans mon cœur afin d'être auprès de Dieu. Sa parole m'a restauré.
Elle m'a redonné la vie. Sa parole m'a restauré. Sa parole m'a relevé. Sa parole m'a transformé. Elle m'a redonné la vie. Sa parole m'a guéri. Sa parole m'a restauré. Oh, alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur notre Dieu parce que sa parole nous restaure. Nous voulons le bénir parce que sa parole nous guérit. Nous voulons lui dire, Seigneur, merci pour cette parole parce qu'il nous a dit, n'aie pas peur. Le Seigneur nous a dit, n'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas des regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Oui, c'est lui que nous avons choisi. Nous lui appartenons. Il est notre Dieu. Il est notre rempart. Il est notre secours. Il est notre forteresse. Il est notre délivrance. Et en ce jour, nous lui disons, Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre espoir. C'est en toi que nous mettons notre espérance. Nous n'avons personne d'autre. Nous ne voulons pas nous appuyer sur ces dieux qui n'ont pas, qui ont des oreilles mais n'entendent pas, qui sont sculptés dans le bois. Nous ne voulons pas mettre notre confiance en des bagues de protection. Nous ne voulons pas mettre notre confiance dans des parfums, dans des pommades qui nous donneront la chance ou le pouvoir. Parce que tout est éphémère. Tout passe. Nous voulons, Seigneur, ce matin, mettre notre confiance en toi. Mettre notre espérance en toi. Oh, nous sommes sûrs de ta parole. Oui, nous sommes sûrs de ta parole. Si ta parole nous demande de ne pas avoir peur, nous n'avons pas peur. Oh Seigneur, qu'un adorateur dise au Seigneur, je mets mon espoir en toi. Je suis sûr de ta parole. Je suis sûr de tes promesses. Je mets mon espoir en toi. Je mets mon espoir en toi. Je mets mon espoir en toi. Je suis sûr de ta parole. Oh le, je mets mon espoir en toi. Je suis sûr de ta parole. Elle est une lampe sous mes pas, une lumière sur mon sentier. Elle me guide chaque jour sur le chemin de vérité. Je la serre dans mon cœur. Commence à t'abandonner au Seigneur et dis au Seigneur, je serre ta parole contre mon cœur. Oh Seigneur, j'ai confiance en toi, Jésus. Ce matin, je me suis levée avec beaucoup de crainte. Mais Seigneur, tu manifestes ta bonté pour moi. Ce matin, je me suis levée avec beaucoup de peur. Mais Seigneur, tu me montres que tu es fidèle. Oh Seigneur. Le Seigneur dit, n'aie pas peur. Je n'ai plus peur de rien, car tu marches avec moi. Je m'abandonne en tes mains. Je suis sûr de ta présence. Ta présence me rassure. Ta présence me relève. Je ne crains plus rien. Je marche avec assurance. Je mets mon
espoir dans le Seigneur. Mets ton espoir dans le Seigneur en ce matin. Dis au Seigneur, je suis sûr de ta parole. Je suis sûr de tes promesses pour moi. Oui. Et il le dit en Ésaïe 41 encore, hein, au verset 8. On a partagé ces versets. Mais au verset 11, il dit, oui, honte et déshonneur à tous ceux qui t'en veulent. Qu'ils soient réduits à rien. Qu'ils disparaissent tes adversaires. En réalité, ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Amen. Il est l'éternel rocher, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il combat pour nous. Lorsque nous sommes unis à lui, lorsque nous nous attachons à lui, lui-même combat pour nous. Parce qu'il a dit dans le psaume 91, il dit... Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le mettrai à l'abri. Puisqu'il connaît mon nom, s'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je lui rendrai son honneur. Oh, notre Dieu est bon. Il dit, puisqu'il est attaché à moi. Et nous sommes attachés à Dieu parce que nous n'avons que lui seul. Nous n'avons que Dieu seul. Alors dis-lui, prends mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur, Seigneur. Peut-être que ce matin, tu étais un peu en colère. Peut-être que ce matin, tu étais un peu désespéré. Mais il le dit dans le psaume 91, au verset 14, il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai donc à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. Puisqu'il sait qui je suis. Oh Seigneur, je veux m'attacher à cette parole. Je veux m'attacher à cette parole. Je ne veux pas laisser les choses qui n'honorent pas ton nom prendre le dessus. Je ne veux pas laisser la tristesse prendre le dessus. Mais je veux m'attacher à ta parole. Quand je vois ton visage, quand je croise ton regard, ma vie est transformée. Ta parole déjà, ce matin, transforme ma vie. Bénissons Dieu ensemble. Quand je vois ton visage, oh, quand je croise ton regard, Yahweh, ma vie est transformée. Alléluia. Ma vie entière est transformée. Oui, mon désir, c'est de voir ta face. Le désir de tous les adorateurs. Mon désir, c'est de voir ta face. Oh, mon désir, c'est de voir ta face. Yahweh. Mon désir, c'est de voir ta face. Quand je contemple ta grandeur. Quand je contemple ta grandeur, il n'y a qu'un seul mot pour te décrire. Il n'y a qu'un seul mot pour te décrire. Quand je contemple ta puissance, quand je contemple ta puissance, il n'y a qu'un seul mot. Oh. Il n'y a qu'un seul mot. Pour te décrire. Et ce mot dit que tu es. Alléluia. Saint, Saint. Saint, Saint. Tu es si puissant, mon Dieu. Tu
puissant, mon Dieu. Tu es si puissant. Alléluia, donc nous bénissons le Seigneur. Et nous lui rendons toute la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, tout ce qui est dû à notre Dieu. Que ce matin, il la reçoive. Alors je veux bénir le nom du Seigneur pour toi et demander que sa main te conduise. Demander que la main du Seigneur te conduise. Et je veux dire au Seigneur de t'aider à comprendre son message. En Ésaïe 41, toujours le verset 10. Prends une pause et laisse le Seigneur te conduire. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon.